Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité, bienvenue sur Martinique Première. Archivage, voyage dans le temps, images de grands moments et découvertes. Trois portraits dans cette émission, avec notamment celle qui va représenter la France au concours Eurovision de la chanson, avec un texte signé Serge Gainsbourg. Joël Ursule sera dans Archivage. Nous irons au Mendezès à la rencontre de Thiraoul Grivalier. Et pour commencer, destination Les Abîmes en Guadeloupe. De son vrai nom, Christy Campbell, voilà quelqu'un qui est devenu en peu de temps une véritable star dans les Caraïbes et surtout reconnue par la scène internationale. Très jeune, il découvre les sound systems et la culture reggae dancehall. Il prend alors le pseudonyme d'Admiralty. Admiralty va faire ses débuts dans la musique tout en poursuivant parallèlement ses études afin de décrocher son bac. Il sort en juillet 2003 sur le label Dance Music son premier album intitulé Mosaïque Créole. Son ascension en image dans Archivage. C'est pas tout ce que j'ai choisi de chanter du dancehall. Hein. J'ai pas choisi ça, c'est venu à moi comme ça et je me suis trouvé à chanter ça et voilà quoi. Mais je pense par rapport aux vibrations, ce que bon, on les chantait aussi. Tu vois, tout le monde se retrouvait en fait dans ça quoi. Et surtout les gens du ghetto. Admiralty et Kassav dans Archivage avec notamment Jocelyne Berroir qu'il avait rencontré aux côtés de Dali et Stomy Bugsy dans le film Nagmaron de Jean-Claude Flamand Barney. Admiralty jouait le rôle de Josué. C'est bon, Silex, je l'ai. En ouais. Josué, viens voir. Mais quoi encore, Timal? C'est quoi cette maison? C'est quoi? C'est quoi?
qu'on se gueule aux fucking ancêtres si nos parents souffrent comme ça. Admiralty, dans Negmaron, il retrouvera Jean-Claude Flamand-Barny dans un film titré Le Mur du Silence. Admiralty s'inspire de la société, de sa culture guadeloupéenne et du reggae. Un talent récompensé par un prix SACEM Guadeloupe en 2005. Le 23 octobre 2006, Admiralty a reçu le César de la musique de l'artiste révélation de l'année au Casino de Paris. Blanc, jaune, beurre ou noir, visons la victoire. De nombreuses compilations, trois albums solo et un super zénith à Paris. Voici pour le début de la carrière d'Admiralty. Depuis plusieurs générations, ils sont inscrits dans la tradition Bellay. Sa voix se prête à ce style, ainsi que sa pertinence qui lui permet de composer des mélodies avec des paroles acerbes afin d'évoquer les problèmes de la société. Dans Archivage, le portrait de Thiraoul Grivalier. Il y a un événement, il y a quelque chose, et je vais composer une chanson là-dessus. Et bien toute la nuit, je suis là. Peut-être il est minuit, il est 1h du matin, je ne dors pas. Et quand c'est terminé, je n'ai rien sur le cassette. Tout est dans ma tête. Travaille-nous, my love. Musique, c'est travaille-nous, my love.
Highland. Nous détruisons la peine. Mi événement contre la peine. Né le 3 mai 1934 à Sainte-Marie, Pierre Raoul Grivalier, surnommé T. Raoul Grivalier, arrive à Fort-de-France dans les années 50, où il est invité à rejoindre les ballets folkloriques de la Martinique avec Loulou Bois-la-Ville. T. Raoul enregistre ses premiers disques avec la Maison des Meringuets. En 1989, il chante de nouvelles chansons, des chansons engagées comme « Assez plairi en nullité ». En 98, la compagnie Ovidis l'enregistre en live chez lui, au Mans des Es. C'est l'objet d'un disque et d'un film. Raoul Grivalier dans Archivage, T. Raoul qui ne se déplace aujourd'hui que lorsqu'il en a envie pour chanter le ballet
avec ses amis. Née le 9 novembre 1960 à Pointe-à-Pitre, elle sera élue Miss Mornalo avant de devenir Miss Guadeloupe en 1979. Un détour par la télévision et elle embrasse par la suite une carrière de mannequin avant de former le groupe Zouk Machine. Gros plan sur Joëlle Ursule dans Archivage. J'étais quand même la dernière interprète de Gainsbourg parce qu'en fait c'était après il y avait eu Vanessa Paradis, Jane Birkin et ouais, ensuite c'était moi la dernière.
En 1990, Joël Ursule va représenter la France au concours Eurovision de la chanson avec un titre signé Serge Gainsbourg. Le 5 mai 90, elle y remportera 132 points et se placera seconde ex aequo. Elle sort la même année son deuxième disque intitulé Black French. Il y aura l'album comme dans un film, mais devenue mère de famille, elle se consacrera pendant 10 ans à l'éducation de ses deux filles. Elle va ensuite offrir à ses fans de toujours un single. Joël Ursule dans Archivage, Joël qui a décidé de mettre en chantier un album prévu pour 2012, s'entourant d'auteurs-compositeurs de la nouvelle génération. Voilà, fin de cette émission Archivage. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe de Claude Michaud. À très très bientôt sur Martinique Première.